Et bien c'est tout le monde, c'est Xesky, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'aventure sur Prince of Persia, The Lost Crown, Malus 7. Plus de descente, yay. Oh, oups. Oups. Attendez, je devais aller où? Carte indisponible. Bah ouais, mais on va en bas, hein. Oh, c'est quoi cette horreur? Oh, des rats! Ah non, c'est pas des rats, pardon. Bon, lui, il est gentil, monsieur. Wesh! Wesh! Il est immortel, le gars, ou quoi, là? Aime ton cul ici, Robert! Non mais où? Ah, oh, sérieux mais... Ça pourquoi? Un métal rare. Cool. Wow. Sérieux, allez! Ça m'a amené où ce soir? Je sais plus où je suis! J'ai plus de vie en plus! Oh, je suis revenu à mon point de départ, avec super ex! C'est pas grave, hein. Bon, du coup, il fallait vraiment descendre. Allez. On va de ce côté-là. Ou pas. D'où j'étais dedans? Qui arrête pas de me siffler, là? Oh, reviens, ces petits cons! Oui. Hop. Oh, c'est quoi que j'ai loupé, là? Oh non, j'ai loupé un truc. Allez. Mais j'ai appuyé sur la touche pour sauter. Non, me tire. Salut. Non, je me tire, j'ai dit. Salut. Ah, un petit arbre. Merci, Seigneur. Il faudrait peut-être qu'on réussisse à améliorer le perso là un jour. Tous les armes, je pense, parce que j'ai l'impression qu'on fait plus trop de dégâts en fait. Tant pis. Ah. Non, on va peut-être pas aller là-bas, en fait. Reviens, papy.
Tu veux bien mourir, saleté de rat! Ah, c'est je fais de nos dommages! Pourquoi faut toujours qu'il y ait des égouts dans les jeux vidéo? Ce sont les niveaux les plus inintéressants du gaming. Sans mentir. C'est moche, ça pue, c'est chiant. Oh putain les couillons! J'ai pas mal! Effectivement, ça inverse le truc. Ah, s'il vous plaît, pas de boss fight par contre, hein. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là? Ok. Ah, je l'entends le petit vieux. Comment ça j'ai pris du poison dans la tronche? Oh mais si! Mon dieu, j'en ai marre de lui courir après là. Si au moins on avait une map, ce serait bien quoi. Oh merde! Ouais genre je suis désolé, on va sûrement mourir. Ouais je confirme, on va sûrement mourir là. Bon retourne en arrière. Ça a l'air sacrément dangereux ici. Ah. Oh ben merci le jeu. Je te hais. Il m'entend, je te hais. Pas le temps. Aïe. De partir. Vivre ailleurs. Ouais, non, ouais, c'est bon, hein, me cassez pas les couilles, là. Hop. Je viens de là. Non, je sais plus. Je ne sais vraiment plus là. What? Non, je n'ai pas. Je venais clairement pas de là. Oh, ça a l'air joyeux ici. Vous voyez pourquoi je déteste les niveaux comme ça? Ah. Ah, du coup. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh yes.
Le refuge is back. Bon, voilà, parlons. Bonjour. Non! Allons voir Miss... Miss Chaudron. Salut maman, ça va? Bienvenue. Souhaites-tu que je forge? Je doute qu'un mortel ait jamais posé les yeux sur une forge comme la mienne. Non, en effet. Mais mes lames, Kaïs et Leila, ne m'ont jamais fait défaut. Dans les flammes et la chaleur, la forge canalise mon attrait. C'est cette énergie qui façonne les armes les plus puissantes. Crois-moi, mortel. Elle me parle. Je l'entends. Ma forge ressent la présence de l'Atra en toute chose. Elle me parle d'un minerai aux pouvoirs anciens qui l'appelle. Iras-tu le chercher ? Lors de la fracture, bien des choses furent perdues. Et d'autres furent déterrés. Trouve-le, et nous verrons. Je crois qu'il nous sera utile à tous les deux. Si tu t'en montres digne, peut-être que ta carte t'aidera. Ma carte m'aidera. Bienvenue. Souhaites-tu que je forge pour toi ? Ouais. Ouais. Oui. Oh putain. Oui. C'est une blague. C'est une blague. Mais ça n'arrive qu'à moi, ces trucs. C'est un truc de fou. Putain, quoi. C'est un truc de dingue. De fou, hein. Déjà le deuxième bug, hein. Le premier bug, c'était le prince qui courait dans une direction et qui arrivait pas à parler un PNJ. Hein? C'est quoi ça? Non, mais je m'en fous. Hein? Oh non. Ah, mais oui, c'est vrai, ça faisait... C'est vrai qu'avec le quick résume... Ah, sérieux, non. Il a même pas sauvegardé après avoir pris la quête, quoi. Vous savez quoi, on va voir si ça va reproduire le bug ou pas. Je suis curieux. Ça le reproduit, par contre, là, je vais péter un plomb. Putain, quoi. Ah là là. Vous auriez dû faire un vrai Prince of Persia, Ubisoft, hein. Je sais pas pourquoi vous êtes parti dans un délire de 2,5D, en vrai. Alors. Bienvenue. Attendons. On va essayer de reproduire le truc. Voilà, on va activer la quête. Maintenant, on lui reparle. Bienvenue. Souhaites-tu que je forge pour toi ? Mais non ! Mais non ! Il s'est reproduit le bug !
Oh là là. Oh là là. Exvesca Beta Tester. Vous avez compris les gens, on prend pas la quête. Pouah. Là, je fais comme sur Dark Souls, j'ignore. La la la. What? Ah le bâtard. Ah, je veux juste des armes. Putain, deux fois le bug quand même. Deux fois. Alors, qu'est-ce que tu as? Augmente légèrement les dégâts des flèches. Non, je veux des améliorations. Apparemment, je peux améliorer. Ah, nice. Vas-y, améliore. Et maintenant, j'ai plus une thune. Ah, attendez. On peut améliorer les... Yay! Ah, je commence à avoir une belle barre de vie, là. Bon. Y'a moyen de sauvegarder ou pas? Putain, y'a même pas moyen de sauvegarder, please. On doit aller où exactement? Mais comment ça, carte indisponible? Non, c'est marrant, on voit encore la... la marque de celui. Ah, le revoilà. Reviens, c'est couillon! Je veux pas faire le chieur, mais quand j'appuie sur O pour utiliser la potion, ça marche pas. Alors que c'est pas que je commence à en avoir marre, mais je commence un petit peu à en avoir marre, là. Et comment pour me soigner, maintenant? Je suis déjà venu ici à mes souvenirs. Putain, mais j'en viens pas de là. En fait, je voudrais juste trouver un arbre pour essayer de débugger la vie, quoi. De voir s'il y a des lieux qui me semblent familiers. Ça me semble pas si ça me semble familier ici. Ouais.
Je vais faire quoi là en fait? Je peux pas passer. D'accord. Bien, t'as fait un gros vomi. Plutôt rapide pour un vieux. Ah, de l'avancée. Nice. Ah super. Attends, je vais aller chercher l'arbre d'abord parce que là, je suis vraiment dans la merde. Mais non, mais... Oh, je suis total buggé. Regardez les gens, je vous mens pas là, j'appuie sur le bouton. Ma vie ne s'est pas régénérée. Je suis en stress là par contre. Là je suis vraiment en stress. Hein. Si ça continue, le jeu je l'annule. Hein. Je vais pas chercher à comprendre. Hein. Putain, pourquoi ça m'arrive à moi? D'habitude j'ai pas des bugs comme ça aussi gros. Ça arrive de temps en temps, des petits bugs ici par là, mais... Mais là c'est énorme quoi. Pourquoi j'enchaîne pas ma vie? Je peux toujours pas utiliser la potion, les gens. Oh. Peut-être que je meurs, je sais pas. What? Ouais. J'ai envie de péter un plomb, là. J'ai littéralement envie de péter un plomb. Sans mentir. Mais putain, il se passe quoi là? Je régène ma vie à chaque fois que je meurs. Il se passe quoi? C'est... J'ai fait un truc ou genre j'avais droit à un boost de vie uniquement à la condition que... Je sais pas moi... Mais c'est une blague ça. Bah là évidemment la vie est descendue. Alex, relax, un jour ça ira, tu verras, tu verras. Un jour ça ira, Ubisoft sortira des jeux sans bug. C'est pour ça, sérieusement? Ah, j'ai une sauvegarde. Et non, je peux toujours pas utiliser ma potion. Ah! T'as pu le boss un peu dans le coin, non? Wow! Ah, on va arrêter.
Hein? Bah, c'est cool. Qu'est-ce que... Je comprends plus ce jeu. Je comprends plus. Encore un? On était les mêmes personnes. Seulement, j'ai suivi un autre chemin que toi. Hein? Comment ça? Le temps n'est plus une rivière qui suit son cours. C'est un océan déchaîné, où tous les destins possibles se croisent. J'ai aussi tenté de retrouver le prince, mais le Moncaf est en train d'avoir raison de moi. Tu as trouvé les pouvoirs du Simorgh. Je peux tous nous sauver. Donne-les-moi! Non. Tu as déjà eu ta chance et apparemment tu l'as laissé passer. Je peux faire mieux que toi. Donne-moi tes pouvoirs! Oh merde. Je peux me soigner ou pas? Ah ça y est, je peux. Enfin. Bon ça va, le SP n'est pas annulé. Répète, l'espèce n'est pas annulé, mais bon, va peut-être falloir que je me concentre un petit peu, moi. De toute façon, dans tous les cas, je vais mourir. Hop. Mais allez, mais fais-le. Ah, putain. J'ai fait le con. En fait, j'ai compris pourquoi ça buguait. Ah, je crois. Et hop, passe. Mais j'ai voulu contrer! Lâche-moi! Mais j'ai appuyé sur la touche pour contrer! Une blague. Lâche-moi! Mais putain, mais pourquoi moi ça marche pas? Ok, est-ce que c'est contrable ce machin au moins? Contrable, on est d'accord. Oh, je déteste ce jeu. Allez, meurs! Allez, je t'absorbe le cul! Ouais! Nouvelle compétence, ma gueule!
Ah oui. D'accord. La main est cristallisée à position. Ah ben ça va nous servir du coup. Justement au truc. Tu sais, tu n'es pas le seul à recevoir les pouvoirs du Cimorgue. Tu as l'air plus fort, mais pas encore assez pour sauver ton ami. Sauver mon ami? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, alors maintenant tu as du temps pour moi. Est-ce que tu es assez courageux et ingénieux pour ça? Quelque part dans le passé, Hassan est toujours vivant. Attends, s'il y a un moyen de le sauver, dis-le-moi. Je ferai ce qu'il faut. Bon. D'accord, je vais te le dire. Mais tu vas devoir rencontrer l'âme la plus sombre. Une âme si sombre, si dangereuse, adoratrice du chaos. Et comment je peux la trouver sans mon œil? Quel œil? Tu en as déjà deux, non? Mon orbe, le prisme, l'espèce d'œil que tu m'as volé. Ah, cet œil. Mais tu l'as toujours eu. Hein? Mais... comment? Je vais t'indiquer où vit cette âme malfaisante. Ah, ben enfin! Alors, comment on y va? Tu la trouveras au gouffre des sables sans fin. Tu devras faire preuve de courage et d'ingéniosité pour y arriver. Ok, papa. Non, c'est un petit peu décevant d'avoir affronté un boss et d'avoir eu que 210... Oups. Trop proche. Effectivement, ça va être utile, ça. Ok, on peut pas remonter par là. Saleté de poison là. Voilà. Alors attends, j'ai qu'on peut utiliser les pouvoirs à l'infini. Est-ce que tu nous as trahis? De quoi tu parles? Dis-moi la vérité. Est-ce que tu as tué le prince Hassan? Quoi? Non! C'est Varam qui l'a tué. Neit, je ne t'ai jamais menti. Où est Anahita? Je ne sais pas, Neit. Je n'ai pas tué Hassan. Je sais que tu peux pas mentir quand t'es en colère. Mais...
Varam nous a raconté une histoire différente. Le prince Hassan est mort. Sargon l'a tué. Waouh ! Il en a le gamin. Varam, ça n'a aucun sens. J'ai du mal à le croire, moi aussi. Où est Sargon maintenant ? Il a fui avec Anahita. Il a rejoint le camp de sa préceptrice. Sans le prince, la Perse est menacée. S'il y a quelqu'un pour gouverner, c'est toi, Varam. Et la reine Tomyris. Famine, sécheresse, le peuple qui souffre, les attaques des Kushan. Elle a eu 30 ans pour faire ses preuves. Je ne suis pas grand-chose sans vous. Mais ensemble, nous pouvons restaurer la Perse. Mon arc est le tien, Varam. Ouais, ouais, la Perse, les gens. Et le gamin, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça me fait de la peine de le dire. Mais Sargon ne doit pas s'interposer. Varam, qu'est-ce que t'es en train de dire ? Nous devons arrêter Sargon et Anahita. Par tous les moyens nécessaires. Et vous êtes tous d'accord avec ça ? D'accord ou pas d'accord ? Il est temps de lui border les voiles une fois pour toutes. Trouvez-les. Et bien sûr, tout le monde l'a cru. Sauf moi. Et Artaban ? Il a toujours eu confiance en toi. Tu ne peux pas rester ici. Rajan est sur nos traces, je le sens. Alors, c'est la fin des immortels. On se traque les uns les autres, maintenant. Rien n'est joué. Restons concentrés. Et sinon, on peut pas faire équipe Non, c'est trop demandé, apparemment. Pas gentil, le jeu. Ça sert à rien. Ok, on monte. Ah, génial. Que j'aime. Regardez un petit peu hein, pour voir où est-ce qu'on doit aller. Ouf. Alors ça, ça marchera jamais. Ah bah si, en fait. Eh bah ça valait le coup. Pas trop, en fait. C'est juste un œil, ça vaut pas le coup. Moi, je voudrais des trucs pour améliorer ma vie, tout ça, là. Surtout un max de pépettes, parce que là... Je suis sûr, il y a un truc en fait. Je vais faire ça. Je le savais. Salut Sargon. Sérieux ? Bon, on va lui acheter la carte. Salut Sargon. Prête-moi ton œil du vagabond. Je vais y rappeler. Ah, si au moins sur la... Montrez, wesh! Il m'a rien montré! Ah! Je suis coincé ici. Tu peux m'aider? Hein? T'es où? What? Par ici! Thank you.
Ouais. Bah ! Merde. Ah ! Par contre, c'est pas cool de nous faire repoper avec un debuff. Enfin. Un debuff de poison à chaque fois. Hein. Oui ! Pong. Oui ! Pong. Oui ! Hop. L'ami ? Tu es là ? Ce n'est pas que pour moi. La lune appartient au monde entier. Oui, 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 on a compris. Ça vaut vraiment la peine de se donner tant de mal ? Une vie sans risque, ça en vaut la peine ? On cherche tous les deux des réponses. Je n'abandonnerai pas, et toi non plus. Peut-être que tu as raison. On cherche tous les deux la vérité. Viens, rejoins-moi à l'étape suivante, et je te montrerai. Oh, il va se calmer Spider-Man, là ! Ouais, je fais comment, moi ? Ah. À la limite, mourir serait plus rapide que de se faire chier à... Non, ça va. Non, ça va. Bon. Allez. Là, je vous jure, ce bug serait resté, j'aurais pété un peu. Ah! Voilà, je pourrais me régler à mes souvenirs, il y a... à gauche. Mais Sony en palais à droite aussi. Allez, vivement qu'on quitte cette zone de merde là. Ah, nice. Justement, je voulais le faire. Et hop. 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 Allez. Alors, y'a rien à gauche, y'a quelque chose à droite. Pas où je vais, mais j'y vais. Ça a l'air joyeux ici. Au moins, il y a un arbre, c'est pas mal. Ou pas. Ça pue le boss un peu, non? On descend bien loin là. Je sens que je vais le regretter d'être descendu aussi loin. Tiens, un voyageur qui semble connaître sa voie, mais qui s'en écarte toujours. Si tu veux, je peux t'illuminer de ma sagesse et accessoirement éclairer ton chemin dans les profondeurs du mont Kaf. Ça se refuse pas. Merci, l'ami. Yeah. Comme promis, je viens t'éclairer. Oh ! Ça a l'air sacrément dangereux ici, un peu, non ? Ça a l'air même sacrément dangereux ! Je m'attends presque à voir un alien me sauter à la gueule, là.
Ouf! Ça va, ça meurt vite. Ça meurt vite. Et ça pète quand on les tue. Ouais, j'ai tué des enfants, c'est ça? Oufti. Wow. Ouais, j'ai pas payé pour faire un gangbang là, hein. Carrément des démons dans la zone, wesh. Oh. Allez, c'est bon, lâche-moi. C'est bon, il filait la blinde de points, je serais pas contre, quoi. Je sais pas où je vais, les gens, j'ai peur. C'est quoi, ça? Ah, d'accord. Bon, une amulette, ça va. Pourrait être utile un jour. Ah, folie. Ah, dégueu! Ouais. Hop! 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 Ok... Allez, pas mal. On lui dit pas ça, hein, mais... C'est quoi, ça? Et salut! Ah, ça va le coup. Mais je vais mourir, donc ça valait pas le coup. Je suis venu ici encore. Ah oui, parce que je savais pas où il fallait aller. Oh, si vous pouvez, dites-moi que l'arbre... Oh, merci Seigneur. Que là où tout commence. Au revoir, Sargon. Ah, merci. Tu as trouvé un autre accès vers les profondeurs. Je t'accompagnerai si tu oses revenir. On va éviter de revenir quand même.
Bon, l'avantage, c'est que je suis un petit peu plus proche de mon objectif. À la base, je m'étais dit qu'il fallait aller... Je sais plus où. Mais au moins, on y est. Allez, je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter ici, Lou. Allez, au moins, on est content. On va pouvoir continuer. C'était pas un bug game-breaking, comme on les appelle. Allez, on va s'arrêter là, du coup. Sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin du rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la... attitude. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, vous connaissez l'Eric, vous connaissez le dicton. Je vous laisse. Je vous fais plein de poutous partout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye, bouti. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Peace.